le début de son contrat, la CERAM est engagée dans des actions de régénération de la faune et de la flore. Donc nous situons ici sur le tronçon des Bengalis, un tronçon du Jarret, qui est un affluent de l'Uvonne. Et ce site est un site pilote des actions de gestion différenciée que nous menons pour cet objectif. Au-delà du maintien de la capacité hydraulique du cours d'eau, qui est nécessaire à la protection des biens et des personnes, le mode d'entretien que nous mettons en œuvre s'attache à accroître la biodiversité du site. Pour cela, nous formons nos équipes à la gestion différenciée. Ça consiste à savoir identifier les plantes invasives pour pouvoir les éliminer, et également favoriser les plantes autochtones pour leur développement, et maîtriser l'érosion des berges par des techniques végétales. Au-delà de ça, nous menons des opérations en collaboration avec les industriels, pour les aider à maîtriser la qualité de leur rejet dans le milieu naturel. Au final, l'ensemble de ces actions se concrétise sur le terrain. Grâce à nos inventaires faune-flore, nous observons une augmentation significative des espèces locales. Ici, dans le port de Pointe-Rouge, nous avons installé donc 65 mètres de nurserie qui permettent d'abriter les jeunes poissons qui peuvent ainsi se réfugier, grossir à l'abri de la prédation des adultes et ainsi, au bout de quelques mois, regagner le large et puis vivre sereinement leur vie de poisson. Un suivi de vidéocomptage conçu par Suez nous a permis de constater que 3 à 8 fois plus de poissons fréquentaient ces nurseries par rapport à un quai non équipé. La cystozère, c'est une algue de Méditerranée qui est en fait un indicateur du très bon état écologique des petits fonds côtiers. Cette algue a disparu de certains rivages à cause de l'activité humaine essentiellement. Nous avons testé dans le parc des Calanques la réimplantation de cystozère. La méthode d'ailleurs a été validée puisque nous avons pu compter des petites plantes de cystozère et donc nous sommes prêts à aller encore un peu plus loin sur de plus grandes surfaces pour continuer à restaurer cette algue endémique. Nous avons besoin de connaître et de suivre la qualité des écosystèmes marins. Nous avons développé une solution de mesure par la bioacoustique. Nous écoutons le milieu, nous avons des indicateurs de bon état ou de mauvais état qui nous permettent en fait d'agir et de réduire les pressions sur le milieu marin et ainsi de préserver la mer et les océans.